Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Nous avons donc aujourd'hui le plaisir d'accueillir notre conférencier qui vient tout exprès de Marseille, Alexandre Santerre. J'ai un petit papier parce que je ne voudrais pas louper un titre. Il est astrophysicien à l'Université d'Aix-Marseille, au laboratoire d'astrophysique de Marseille, et il est spécialiste dans la recherche d'exoplanètes. Une exoplanète, c'est une planète qui tourne autour d'une étoile autre que le Soleil. Il travaille en particulier sur la préparation de la future mission spatiale Plato de l'Agence spatiale européenne. Et cet objectif, pour lui, c'est la détection de systèmes exoplanétaires par la méthode des transits, il va vous expliquer ça, dans notre galaxie. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire qu'à la fin de la conférence, tout le monde doit sortir, mais ça, c'est déjà fait. Donc, je souhaite une bonne conférence. Et je donne la parole à Alexandre. Merci, merci Maurice. Merci à tous d'être venus si nombreux aujourd'hui, qui est pour moi un véritable plaisir de donner cette conférence dans un lieu si magique, hein, qui est le Théâtre Eden, autant chargé d'histoire. Et puis du coup, je remercie aussi le festival pour cet accueil. Alors effectivement, comme Maurice l'a expliqué, je vais vous parler d'exoplanètes. Mais avant toute chose, le titre de la conférence s'appelle « La recherche de la planète B ». Et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Avant de commencer, je voulais juste vous expliquer ce que c'est cette photo qui est en fond d'écran. C'est une photo qui a été faite par le spationaute français Thomas Pesquet depuis la Station Spatiale Internationale, qui montre en fait l'atmosphère de la Terre à un moment donné au lever du Soleil. Et donc ce que vous voyez sur l'écran, finalement, c'est rien d'autre que toute l'air qui nous permet à tous de respirer. Mais alors, comme vous en doutez peut-être, cette air... Cette atmosphère est un petit peu, donc sur Terre, est un petit peu déstabilisée. Ici, ce que je vous montre, c'est de donner des mesures de température sur Marseille depuis pratiquement 250 ans, qui montrent qu'au cours du temps, la température à Marseille se réchauffe de manière indéniable depuis à peu près 1950. C'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Vous en êtes tous à peu près, j'imagine, conscients, on en parle relativement souvent aux informations. Et ce réchauffement est absolument l'influence de l'homme, à 100%. Aujourd'hui, à Marseille, l'augmentation de température, c'était à 1,9 degrés. C'est quand même relativement conséquent, on a eu un été relativement chaud, vous en êtes tous rendu compte. Mais ce n'est pas juste un épisode unique, c'est vraiment le résultat en fait, d'une augmentation de la température. Donc le climat sur Terre, il est vraiment déréglé, on l'a vraiment vu cette année, on l'a vu avec beaucoup d'informations, avec les incendies en Gironde. Pour ceux qui ont pu aller se promener sur le lac de Serponçon, vous vous êtes rendu compte que le niveau du lac était exceptionnellement bas. Ceux qui ont pu se promener sur la mer de glace n'ont pas vu de glace cette année, le glacier a quasiment disparu. Et puis ceux qui ont été se promener dans le sud-est ont découvert des champs de maïs complètement cramés. Tout ça, c'est le conséquence du réchauffement climatique. D'ailleurs, je vous conseille, si vous êtes intéressé par ça, de lire l'excellent ouvrage aux éditions CNRS, qui s'appelle « Tout comprendre ou presque sur le climat », qui sont faits par des auteurs du GIEC. Alors, je ne vais pas vous parler de climat, même si finalement la motivation de cette conférence est basée sur le climat. Tout ça pour vous dire que des solutions, on en connaît, pour essayer de faire en sorte que le climat ne se dégrade pas trop. On connaît notre impact environnemental, on sait que c'est beaucoup sur les déplacements, sur la manière dont on se mange, de la manière dont on se loge, surtout, mais pas que. Et on connaît les solutions, les scientifiques du GIEC, notamment dans le troisième volet, ont fait tout un tas de recommandations à politique pour donner des choses à faire ou ne pas faire, pour essayer de faire en sorte que le climat reste relativement correct. Mais on peut se poser la question de savoir... Mais si on n'allait pas assez vite, le climat se réchauffe, c'est indéniable, les photos que je vous ai montrées au début sont claires. Mais qu'est-ce qui se passe si on n'allait pas assez vite? Ou si les efforts qu'on faisait ne sont pas assez suffisants? Quel est l'avenir de l'humanité si les efforts qu'on fait ne sont pas suffisants? Alors, par chance, on connaît des milliers de planètes aujourd'hui. Est-ce que dans ces milliers de planètes qu'on connaît, et c'est là que je vais aborder la thématique des exoplanètes maintenant, est-ce qu'il n'existerait pas, parmi toutes ces planètes qu'on connaît, une planète viable qui nous permettrait d'aller y vivre, ce qu'on appelle la fameuse planète B, qui serait une substitut de la Terre sur laquelle on pourrait aller vivre une fois que le climat de la Terre ne serait plus vivable?
Alors, si on cherche une planète vivable, hein, qu'est-ce qu'on voudrait? Alors là, on peut faire une liste de quels sont les critères qu'on aimerait avoir pour aller vivre sur une autre planète. Alors, premièrement, il faudrait que ce soit une planète rocheuse. Quand même, on ne veut pas une planète gazeuse, pleine de gaz, où on ne pourrait pas poser le pied au sol. Donc, il nous faut une planète tellurique, comme la Terre. Il nous faut une atmosphère. L'atmosphère a plusieurs avantages. D'abord parce qu'il y a éventuellement de l'air qu'on peut respirer, si jamais il y a de l'oxygène. Et puis surtout, l'atmosphère nous protège beaucoup de tout ce qui est danger qui vient de l'espace. Typiquement, les météorites, s'il n'y avait pas d'atmosphère, on serait bombardé de météorites, de poussière relativement fine, mais qui auraient des impacts très destructifs sur tout l'environnement qu'on connaît. Donc l'atmosphère permet de filtrer ce bombardement météoritique, et puis permet aussi de filtrer des rayonnements très énergétiques et qui viendraient en fait nous créer des cancers et puis des lésions de la peau. Donc l'atmosphère est vraiment très pratique. Il nous faut quand même une planète avec une température relativement clémente, à peu près entre 15 et 20 degrés en moyenne. Alors après, c'est en fonction de chacun a sa température favorite, mais en grosso modo autour de 15 à 20 degrés. La température moyenne de la Terre, c'est 15 degrés, donc quelque chose à peu près comme la Terre. Ça serait bien qu'on ait de l'eau, parce que mine de rien, on a besoin d'eau pour boire. Et donc il faut qu'il y ait la possibilité d'avoir de l'eau, si possible d'être liquide, mais ça peut être à l'état de glace, hein, qu'on pourrait éventuellement faire fondre. Donc il nous faut de l'eau malgré tout. Il nous faut un environnement calme et sécurisé. On ne veut pas une planète qui soit absolument constamment bombardée par des météorites assez gros, donc il faut un environnement relativement calme. Et puis surtout, il faut qu'on puisse y aller. Alors, avant de commencer, on peut se poser la question, est-ce que cette planète, cette fameuse planète B, est-ce qu'elle est dans le système solaire? Alors, l'image n'est pas très belle, en fait, je suis désolé. Mais dans le système solaire, vous avez les 8 planètes du système solaire que vous connaissez, j'imagine tous, de Mercure. Mercure ici, Vénus, la Terre avec la Lune, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. On peut déjà faire une croix sur les 4 planètes externes. Parce que ce sont des planètes de gaz, des géantes de gaz. On ne peut pas vraiment, elles ne sont pas telluriques, on ne peut pas poser le pied dessus. Ensuite, on va barrer la Lune, parce que la Lune n'a pas d'atmosphère. Et on voit d'ailleurs, quand on regarde la Lune au télescope, il y a plein de cratères. Et ces cratères, ce sont le résultat en fait, d'impacts d'objets qui, sur Terre, en fait, sont filtrés, se consument dans l'atmosphère. Donc on n'a pas le même problème sur Terre. Par contre, sur la Lune, on aurait un problème, ce serait vraiment dommageable. On peut aussi également barrer Mercure pour exactement la même raison, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère. Et donc finalement, il ne nous reste que 3 planètes. La Terre, sur laquelle on habite, donc ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Il nous reste Vénus, et il nous reste Mars. Est-ce que ces 2 planètes, qui sont relativement proches de nous, sont des candidates à la fameuse planète B? Alors Vénus, ce qu'on appelle aussi la planète jumelle de la Terre, en fait on l'appelle jumelle parce qu'elle a vraiment une taille et une masse relativement proches de la Terre. Hein, Vénus a à peu près 95% de la taille de la Terre et 82% de sa masse. Donc c'est vraiment une jumelle en termes de propriétés physiques. C'est une planète qui est rocheuse, c'est une planète qui a une atmosphère, et en plus c'est la planète la plus proche de nous. Donc ça, elle a vraiment toutes les conditions, en tout cas pour l'instant, pour être un bon candidat. Par contre, si on regarde cette atmosphère, on se rend compte que sa composition de cette atmosphère, c'est à 96% du CO2, du dioxyde de carbone. Le fameux agent de l'effet de serre sur Terre. Sur Vénus, l'atmosphère est complètement saturée en CO2, et c'est ce qui fait qu'en fait, l'atmosphère de Saturne est hyper chaude, parce que l'effet de serre s'est complètement emballé. Et donc on a un effet de serre qui est vraiment extrême. On a une température à la surface de Vénus qui est de 460 degrés. Donc quand on disait que Vénus, qui est la déesse de l'amour, finalement c'est un enfer sur place. Et surtout une pression à la surface de 93 bars. 93 bars, ça correspond à peu près à 900 mètres sous le niveau de l'eau. Et pour remettre dans le contexte, hein, la plongée sous-marine la plus profonde, dont le record d'ailleurs est détenu par la COPEX, c'est à peu près 700 mètres. Donc, la plongée sous-marine la plus profonde qu'on ait faite ne serait pas suffisante pour vivre à la surface de Vénus, qui est encore 200 mètres équivalent en termes de pression à ce qu'on a pu faire de plus profond. Et puis surtout, il n'y a pas d'eau. Donc Vénus n'est vraiment pas le bon candidat pour cette planète B sur laquelle on pourrait vivre. Après, il y a Mars. Mars, qui est une planète dont vous avez beaucoup entendu parler aussi, qui est une planète rocheuse, c'est une planète relativement proche, hein, c'est pas la plus proche, mais elle est juste après. C'est une planète qui est relativement petite, finalement, par la Terre, et ça, les gens, généralement, ne s'en rendent pas compte que, finalement, Mars, c'est à peu près la moitié de la taille de la Terre, pour 10% de sa masse. Donc c'est une petite planète. Et ça, en fait, c'est un critère en fait, assez critique hein, pour la vie sur Mars. Donc c'est une planète rocheuse, c'est une planète qui a une atmosphère, toute petite, mais quand même une atmosphère,
et qu'il y a peut-être, on pense, de l'eau sous la surface. Mais là, encore une fois, l'atmosphère de Mars, c'est 96% encore une fois de CO2. Et par contre, par rapport à Vénus, l'atmosphère de Mars, a 0,15% de dioxygène. Donc ça serait une ressource qui pourrait être exploitable, mais en très très faible quantité. Le problème de Mars, c'est que la température en moyenne sur Mars est moins 63 degrés, donc ce n'est pas vraiment des conditions qu'on aimerait pouvoir vivre. Ça monte à plus de 20 degrés, vraiment à l'équateur, au plein milieu de l'été martien, mais ce n'est pas tout le temps comme ça, et la température peut descendre jusqu'à moins 140 degrés au pôle. Le gros problème de Mars, c'est son atmosphère, qui est toute petite, toute fine, et la pression à la surface de Mars est 6 millibars, ce qui correspond à peu près à 40 km d'altitude dans l'atmosphère, qui est 2 à 3 fois au-dessus de l'altitude à laquelle volent les avions en ligne. Donc c'est une pression qui est très très faible, on ne pourrait pas y respirer bien sûr, et c'est des conditions quand même très compliquées pour pouvoir justement vivre sur place. Alors il y a des idées, on ne manque pas d'idées de ce côté-là, on ne manque pas non plus d'exemples dans la science-fiction. Pardon, je suis allé un peu trop loin. Certains riches, personnes comme Elon Musk parlent de terraformation de Mars. Qu'est-ce que ça veut dire terraformation ? Ça veut dire qu'on pourrait transformer la planète entière par de l'ingénierie planétaire pour la rendre comme la Terre, en termes d'atmosphère et en termes de tout un tas de choses. C'est bien en papier sur un dessin, en physique, c'est plus compliqué. Elon Musk a tweeté il y a encore quelques années que la manière dont il voit la chose de partir sur Mars, ce serait d'abord de vivre dans des dômes de verre et puis après terraformer Mars pour la rendre vivable comme sur Terre. Mais les études scientifiques sérieuses ont montré que terraformer Mars est impossible, la raison principale étant que Mars a une masse trop petite, 10% de la masse de la Terre, pour maintenir une atmosphère. Donc même si on faisait en sorte, d'une manière incroyable, de transformer l'atmosphère de Mars pour la rendre comme la Terre, avec de l'oxygène, l'atmosphère de la masse, la gravité à la surface de Mars est trop faible pour retenir cette atmosphère. Donc c'est pas possible de terraformer Mars. C'est vraiment dans le domaine pour l'instant de la science-fiction. Donc pour l'instant, on parle de retour, d'aller sur Mars, de pouvoir faire des stations martiennes pour pouvoir y habiter. C'est loin d'être le cas, et on est très loin d'arriver à des images comme ce que nous prévend l'Américain avec des villages sous dôme de verre à la surface de Mars. Au final, la Terre, dans le système solaire, est la seule planète habitable. Habitable pour l'instant. Sachant que l'impact de l'homme sur son environnement, sur le climat, fait que la planète devient de moins en moins habitable. Et si on ne fait pas des efforts tous importants, et quand je dis tous, c'est pas juste nous dans la salle, c'est tous à l'échelle de la planète pourrait ne plus devenir habitable. Alors cela dit, on connaît plein de planètes. On connaît des planètes en dehors du système solaire, les fameuses exoplanètes, introduites par Maurice tout à l'heure. On en connaît actuellement plus de 5000. Est-ce que parmi ces 5000 exoplanètes, il n'y aurait pas finalement une qui pourrait nous convenir ? Le système solaire, finalement, il n'y avait que 4 telluriques, mais si on va dans toute la galaxie, il y a énormément d'étoiles. La plupart de ces étoiles ont des planètes, est-ce qu'il n'y aurait pas malgré tout dans toutes ces étoiles une planète qui ressemblerait à la Terre et sur laquelle on pourrait aller vivre ? Alors la question de toutes ces planètes, on les a cataloguées, on les a répertoriées, on ne les connaît pas toutes bien sûr, on en connaît 5000. La question c'est de savoir lesquelles sont telluriques, lesquelles sont rocheuses. Ensuite, lesquelles ont une atmosphère ? Bien sûr, je vous disais tout à l'heure, les critères, il nous faut une atmosphère, c'est quand même très pratique. Lesquelles sont tempérées ? Pour pouvoir y vivre sans avoir forcément des combinaisons tout le temps de spationautes. Lesquelles possèdent de l'eau ? Et tout un tas de critères que j'ai déjà un peu évoqués, qui nous permettraient de savoir est-ce que ces planètes sont vraiment habitables ou pas. Et le problème, c'est que ces planètes, on ne peut pas les voir comme dans le système solaire, parce qu'elles sont relativement loin. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut déterminer, à partir de ces planètes-là, qu'elles peuvent répondre à tous les critères qu'on se pose sur ces planètes B. Alors, pour pouvoir détecter ces planètes, et puis essayer de les caractériser, de déterminer leurs propriétés physiques, on a plusieurs techniques, on a deux techniques principales. La première, qui est la méthode des transits, que vous avez ici, qui consiste en fait à voir le passage de la planète devant le disque d'étoiles. Et au même titre que vous avez une éclipse de soleil, pour ceux qui ont la chance d'en avoir déjà vu une, vous avez une diminution de la lumière quand la Lune passe devant le soleil. Là, c'est exactement la même chose qui se produit avec une exoplanète quand elle passe devant son étoile. Vous avez une petite diminution de la lumière. Et cette diminution de la lumière va dépendre en fait de la taille de la planète. Ici, vous avez deux exemples. Une petite planète à
l'instant, et une plus grosse planète qui passe, vous voyez que la plus grosse planète crée une diminution plus importante de la lumière. Donc à partir de ça, on peut déterminer quelle est la taille de la planète. Ensuite, on utilise une deuxième technique un peu plus compliquée, qui est ici la méthode qu'on appelle des vitesses radiales, qui utilise la spectroscopie. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais on vient en fait mesurer la vitesse instantanée des étoiles, exactement comme le font les gendarmes au bord de la route, sauf que nous on fait sur des étoiles qui se trouvent à des années-lumière de nous. On mesure leur vitesse instantanée, et vu qu'il y a une planète qui tourne autour de l'étoile, en fait l'étoile a également un petit mouvement de rotation autour de son centre de gravité, si vous voulez. Et ce petit mouvement de gravité, de rotation, dû du fait qu'il y a une planète qui tourne autour, on arrive à le mesurer par des variations de sa vitesse. Et donc en fait, on est astronomes, un petit peu des gendarmes de l'espace, si vous voulez, en tant qu'on a des instruments qui fonctionnent un petit peu comme des radars, mais qui vont venir mesurer la vitesse des étoiles. Et actuellement, on est capable de mesurer des vitesses avec une excellente précision, parce qu'on arrive à mesurer des vitesses d'étoiles avec une précision de l'ordre de celle d'un piéton, voire d'une tortue, sur des objets qui sont à des années-lumière de nous. Et grâce à ça, on arrive à détecter des planètes. Et à partir de cette méthode, on arrive ensuite à mesurer du coup la masse de ces objets. Et si on arrive à faire la même chose, les deux techniques sur les mêmes planètes, on arrive à mesurer d'un côté leur rayon par la méthode des photométriques des transits, et puis leur masse par la méthode de spectroscopie, on a leur rayon, on a leur masse, on peut du coup déterminer leur densité. Et la densité est un élément relativement important pour comprendre la nature de l'objet. Pour donner un ordre de grandeur, la densité de la Terre, c'est 5,5 grammes par centimètre cube. Peu importe exactement la valeur. Juste pour comparer à celle de Jupiter. Jupiter, c'est 1,3 grammes par centimètre cube. Il y a un facteur 5, quasiment, 4,5 entre les deux. Jupiter est une planète géante gazeuse, très peu dense, à cause du fait qu'elle est gazeuse. La Terre est une planète plus dense, rocheuse, elle a une densité plus grande. Donc à partir de la densité de la planète, on va pouvoir déterminer ne serait-ce que si c'est une planète gazeuse ou une planète rocheuse. C'est ce qu'ils nous cherchent à la base, savoir si la planète est rocheuse ou pas. En fait, on peut aller un peu plus loin. On a fait une petite expérience de pensée. Prenons 5 planètes. Et ces 5 planètes, supposons qu'elles ont toutes les 5, exactement 5 fois la masse de la Terre. Alors d'ailleurs, si vous voulez, ces 5 planètes, on les a modélisées en modèle, et elles sont disponibles sur le stand de l'Institut Origine, au niveau des stands. Donc ces 5 planètes, on découvre 5 planètes, 5 exoplanètes, qui font toutes les 5 fois la masse de la Terre. Et puis on mesure leurs rayons, puis on se rend compte qu'elles ont des rayons différents. Il y en a une qui est plus petite, et il y en a d'autres qui sont plus grosses. Et donc du coup, vu qu'elles ont la même masse, mais qu'elles ont des rayons différents, c'est qu'a priori, elles ont des compositions différentes. Et je vous ai mis dans le coin la Terre, qui fait une masse terrestre, pour référence. Alors ce qu'on peut faire, pour essayer de comprendre quelle est la différence, parce qu'elles ont des mêmes masses, mais elles ont des rayons différents, on peut pas vraiment forer ces planètes pour savoir ce qu'il y a dedans, donc on peut essayer de modéliser. Alors, on connaît pas mal de choses en physique, on connaît quels sont les éléments qui peuvent être dans les planètes, dans la structure de planètes, dans les intérieurs de planètes, donc on essaye de modéliser ça, d'après les expériences qu'on fait en laboratoire aussi, pour savoir comment la matière réagit à différentes températures et pressions, et à partir de là, on essaye de construire en quelque sorte dans un ordinateur des planètes pour voir comment ça réagit. Et voilà à quoi pourrait ressembler, en fait, ces 5 planètes de 5 masses terrestres, toutes les 5, en fonction de leur rayon, en fait, la plus petite. Ici, c'est ce qu'on appelle le supermercure, hein, qui serait donc, du coup, avec un cœur, le cœur qui est en jaune, un cœur très gros, un cœur composé de fer et de nickel, donc d'éléments métalliques très gros, très massifs, et un relativement petit manteau. Le manteau, c'est du silicium, c'est de la roche, en fait, hein, c'est du silicium et du magnésium, comme du sable, si vous voulez. Par contre, si on a une planète un peu plus grosse, ben là, on a obligé d'enlever un petit peu de ce manteau, de ce noyau. On met plus de manteau. On a finalement un rapport de manteau et de noyau, un peu comme celui sur la Terre, ce qu'on appelle une super Terre. Ensuite, si on prend une planète un peu plus grosse, comme celle-là, eh ben, pour expliquer une planète un peu plus grosse, ben, on peut enlever des éléments lourds. Si on enlève le métal, on va pouvoir mettre plus de roches. On peut expliquer une planète un peu plus grosse avec la même masse. Donc, dans ce cas, on enlève le noyau, on met que de la roche, on appelle ça une planète manteau. Et puis si on veut avoir une planète encore plus grosse, ben là on ne peut plus le faire, parce qu'on a déjà mis que de la roche. On a enlevé déjà tout le métal. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une planète plus grosse? Ben on met des éléments plus légers. Et des éléments plus légers qui sont bien présents dans les systèmes planétaires, c'est l'eau. Et donc là on a un modèle théorique d'une planète océan, avec ici 50% de roche et 50% d'eau. Alors attention, même si la température de cette planète peut être très élevée, l'eau, dans la grande majorité de la planète, se veut sous forme de glace, parce que la pression exercée sur l'eau
à l'intérieur, elle serait tellement forte que du coup l'eau ne pourrait pas être à l'état liquide, même à des hautes températures. Elle serait forcément à l'état de glace, par compression. Et puis si on veut passer sur une planète encore plus grosse, eh ben, on n'a plus le choix. On pourrait en continuer à augmenter la quantité d'eau et réduire la quantité de roche, mais une planète 100% d'eau, ça serait un petit peu étrange. Dans ce cas-là, on n'a plus le choix, on est obligé d'employer des éléments encore plus légers que l'eau, et ça c'est le gaz. Le gaz, c'est la grande propriété de pouvoir prendre plein de place pour relativement peu de masse. Et donc on a ici, complètement à droite, l'exemple d'une planète de type mini-Neptune, qui serait avec éventuellement un cœur rocheux au cœur, au centre, de la glace, une grosse couche de glace dessus, et par à l'extérieur de l'hydrogène et de l'hélium sous forme gazeuse. Et donc à partir de ça, en fait, on est capable de deviner quelles sont les compositions de ces planètes. Sachant que deux planètes qui ont les mêmes masses, mais qui ont deux rayons différents, et donc deux structures différentes, n'ont pas forcément clairement la même formation. Donc en même temps, on peut aussi comprendre quelles sont leurs formations, qui est aussi un intérêt très intéressant pour savoir aussi comment le système solaire s'est formé. Alors, du coup, c'est bien gentil, on a cinq modèles ici de structures internes de planètes, mais en réalité, comment ça marche? Qu'est-ce qu'on trouve dans l'univers? Alors ici, je vous montre un diagramme. Alors c'est le seul diagramme de la conférence, donc je vais vous l'expliquer. Vous avez sur le côté, ici, le rayon de la planète, exprimé en rayon planétaire, donc en rayon de la Terre. Donc vous avez ici la Terre qui a 1, et Vénus à côté. Et puis, sur cet axe-là, vous avez la masse de la planète, avec encore une fois, en unité de la Terre. Donc la Terre est à une masse, ici, une masse terrestre. Et ici, vous avez 10 masses terrestres, l'échelle n'est pas linéaire. En fait, j'ai fait en sorte que ce diagramme soit de telle manière qu'on mette en bas à gauche les deux planètes telluriques rocheuses du système solaire les plus massives, que sont la Terre et Vénus. Et dans l'autre coin, en haut à droite, on a les deux planètes les moins massives du système solaire, que sont Uranus et Neptune. Donc ici, on a deux planètes gazeuses, et ici, on a deux planètes rocheuses. Et si je vous montre maintenant les modèles que je vous ai présentés juste avant, les cinq modèles de planètes tels qu'on les a imaginés, voilà ce que ça représente en fonction en fait, de leur masse. On peut faire changer la masse de la planète, mettre la même composition interne, et puis voir comment ça évolue en termes de rayons. Alors en plus de ça, il y a deux limites que je vous montre ici, qui sont la limite non planétaire, c'est-à-dire une planète qui serait plus massive, plus dense que 100% de métaux, a priori, ne pourrait pas exister. Parce que le fer étant l'élément le plus dense qu'on connaisse de manière abondante, en tout cas dans les systèmes planétaires. Et puis une planète qui pourrait être moins massive que 100, moins dense pardon, que 100% d'eau, a priori on peut supposer qu'elle a forcément beaucoup de gaz. Donc voilà un petit peu comment ça se profile, les cinq modèles que je vous ai présentés avant. Et voici l'état des connaissances, l'état des exoplanètes qu'on a détectées aujourd'hui. On voit qu'il y en a partout. Et surtout on voit qu'il y a des planètes, donc c'est tous les petits points blancs. On voit que ces planètes se trouvent en termes dans un régime de gaz, de masse et de rayon, au même niveau entre eux, la Terre, qui est la planète rocheuse la plus massive du système solaire, et Neptune et Uranus, qui sont les planètes gazeuses les moins massives. Et on se rend compte finalement qu'entre ces deux planètes dans le système solaire, on trouve, dans d'autres systèmes planétaires, on trouve plein de planètes qui ont des régimes de masse un peu entre les deux. On peut se poser du coup la question de savoir, mais finalement, quelle est la limite entre une planète gazeuse et une planète rocheuse? Puisque dans le cas du système solaire, les planètes rocheuses sont forcément en bas à gauche, et les planètes gazeuses sont en haut à droite. Et finalement, on trouve plein de planètes qui sont entre les deux. Alors, pour pouvoir comprendre quelle est leur nature, et pouvoir comprendre si ce sont vraiment des planètes rocheuses ou des planètes gazeuses, on est vraiment obligé d'utiliser du coup ces modèles que je vous ai présentés juste avant pour nous indiquer si effectivement la planète est rocheuse ou plutôt gazeuse. Donc on voit que toutes ces planètes, ici, a priori sont gazeuses, parce qu'elles ont une composition très très peu dense, en fait, et pour expliquer cette faible densité, on est obligé d'utiliser beaucoup de gaz. Et par contre, ici, on a plein de planètes qui auraient une composition, en tout cas une densité compatible avec des planètes rocheuses. C'est ce qu'on cherche. Si je vous ai zoomé un petit peu plus en détail sur cette zone dans laquelle on attend des planètes rocheuses, et puis vous voyez que finalement, il y a beaucoup de planètes qui s'alignent ici dans un régime de masse et en tout cas de composition similaire à la Terre. Finalement, la composition de la Terre, qui est d'ailleurs la même que pour Mars et que pour Vénus, semble être un petit peu la norme dans les exoplanètes qu'on détecte, avec quand même quelques exceptions de planètes ici un petit peu hydratées, ici, dont la composition semble être plus proche des planètes océans avec 50% de manteau et 50% d'eau. Donc des planètes plus hydratées, plus riches en eau. Mais finalement, une grande partie des exoplanètes qu'on trouve ici, en bas,
semblent être des planètes dont la composition semble être la même que la Terre. Alors, ensuite, une fois qu'on a détecté une planète, on a pu savoir sa rayon, sa masse. Du coup, si on sait si elle est plutôt rocheuse ou plutôt gazeuse, on peut aller encore plus loin. On peut essayer de sonder son atmosphère. Et l'une des techniques qu'on utilise, le fait que la planète transite, elle passe devant son étoile. Et en fonction de la longueur d'onde, en quelque sorte de la couleur à laquelle on va regarder la planète passer devant l'étoile, on va voir des différences très très petites de profondeur du transit. Je vous explique les choses. C'est que, imaginez que vous avez dans l'atmosphère de votre planète, que vous regardez, un composé chimique, par exemple l'oxygène, par exemple le CO2, par exemple le méthane, peu importe, qui soit présent. Si on regarde à la longueur d'onde, à la couleur spécifique à laquelle réagit cet élément chimique, ce composé chimique, du coup la lumière qui vient de l'étoile, qui traverse l'atmosphère de la planète, va être bloquée par cet élément chimique qui va réagir à cette lumière-là. Par contre, si on regarde à une couleur un petit peu différente, ou une longueur d'onde un petit peu différente, la lumière va traverser. Et donc, en utilisant cette technique de spectroscopie de transmission, on arrive en fait à aller mesurer l'atmosphère des planètes, même si elles se trouvent à des années-lumière de nous. Alors, c'est ce qu'on voit un petit peu sur le graphique à gauche. Donc, on voit qu'en fait, en fonction de la longueur d'onde dans laquelle on regarde, on va avoir des profondeurs de transit différentes. Mais pour bien vous les illustrer, je vous ai mis à droite une photo, une vraie photo de la Terre, à un moment donné de levée de lune prise par une sonde météorologique japonaise. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire un satellite japonais dans cette conférence? En fait, cette image, à droite, donc vous voyez la lune se lever au-dessus du Pacifique. Donc ça, c'est une image en lumière visible. Ici, je vous montre une image, la même image, qui est faite à 8,6 microns, qui est une bande dans laquelle l'atmosphère de la Terre est normalement relativement transparente. Et donc on retrouve les mêmes, on voit les nuages. Et ce que je vous demande de regarder en détail, c'est la différence qu'il y a entre la Terre et la Lune, l'espacement entre la Terre et la Lune. Parce que sur cette photo, on est maintenant dans une autre longueur d'onde, on est à 9,4 micromètres, qui est la bande dans laquelle l'ozone sur Terre absorbe. Et donc on voit finalement que si on fait la différence, je vais revenir, pour que vous puissiez bien voir maintenant que vous avez compris l'histoire, on revient sur l'image à 8,6 microns. Finalement, quand on regarde le rayon de la Terre à entre 8,6 microns et 9,6 microns dans la bande de l'ozone, on voit que la Terre, finalement, est un petit peu plus grande, pas beaucoup, mais un tout petit peu plus grande dans la bande de l'ozone. Pourquoi? Parce que l'ozone, qui est présent sur Terre, va venir bloquer ou émettre en tout cas de la lumière à cette longueur d'onde plus haut qu'à l'autre longueur d'onde. Et donc, on voit que la Terre, finalement, son rayon apparent change, qu'on soit à 8,6 ou à 9,6 microns. Et bien, on fait pareil. C'est exactement la même approche qu'on fait, mais sur des exoplanètes, en utilisant la lumière de l'étoile comme source, qui va venir passer dans l'atmosphère de la planète, et qui va du coup, l'atmosphère de la planète va venir imprimer en quelque sorte sa marque, sa composition chimique, et à partir de ça, on va pouvoir déterminer quelle est la composition de l'atmosphère de ces planètes. Alors vous avez certainement entendu parler du télescope spatial James Webb récemment. Voici l'un des premiers résultats de James Webb sur une atmosphère d'une exoplanète. Alors ça, c'est une exoplanète gazeuse, très grosse, très chaude, elle s'appelle WASP-39. Et ce que vous voyez ici, c'est de ce côté-là, vous avez la longueur d'onde, la couleur, si vous voulez. Alors ce n'est pas des couleurs visibles, on est dans l'infrarouge. Et puis ici, vous avez la fraction de lumière qui est bloquée par la planète. Et vous voyez qu'à un moment donné, à peu près à 4 microns, eh ben, la planète paraît plus grosse que à 3 microns. Pourquoi? C'est parce que dans cette atmosphère de planète, il y a beaucoup de CO2, de dioxyde de carbone, et qui vient en fait bloquer la lumière à plus haute altitude que la moyenne de l'atmosphère de la planète, si vous voulez. Donc la planète paraît plus grosse à 4,2 microns que à 3 microns. Et donc en utilisant cette technique, on va pouvoir aller chercher quels sont les composés chimiques qui sont dans l'atmosphère de la planète. Alors cette planète, elle a beaucoup de CO2, mais avec un instrument comme le Spatial James Webb, on espère pouvoir trouver des composés chimiques comme de l'eau, comme du méthane, éventuellement comme de l'ozone, et qui vont pouvoir permettre ensuite de nous dire est-ce que la planète, finalement, pourrait avoir une atmosphère habitable ou pas. On est vraiment qu'au tout début, la mission vient de commencer au mois de juin, donc là, c'est vraiment le premier résultat, il va y en avoir beaucoup d'autres à venir. Alors, une fois qu'on a trouvé ces planètes, qu'on sait qu'elles sont rocheuses, on va pouvoir aller sonder leur atmosphère, ça ne va pas se faire tout de suite parce que c'est très compliqué, ça devient des instruments très gros, très complexes et surtout très coûteux. Mais ensuite, on peut se poser la question de savoir, vous rappelez-vous la liste hein, de critères qu'on se mettait au début, de savoir est-ce que la planète est tempérée. Alors pour savoir si une planète est tempérée, c'est un peu plus simple, parce qu'il suffit de regarder sa distance à l'étoile.
Si on est proche de l'étoile, ben c'est comme quand on est proche du radiateur, il fait chaud. Si on est loin de l'étoile, c'est comme si on était loin du radiateur, généralement on a froid. Et donc, on définit ce qu'on appelle une zone habitable. Vous avez certainement entendu parler de cette zone habitable, qui est une zone dans laquelle il fait ni trop chaud ni trop froid. Et en fait, en termes de ni trop chaud ni trop froid, on utilise comme critère principal celui de l'eau. Est-ce que l'eau, si elle est présente à la surface de la planète, la planète pourrait avoir une température de telle manière que l'eau serait à l'état liquide à la surface de la planète, ou est-ce que l'eau serait à l'état gazeux si on est trop proche, ou à l'état de glace si on est trop loin. Et donc il y a cette définition d'une planète de zone habitable, du coup la distance à l'étoile à laquelle la température de la planète permettrait d'avoir de l'eau à l'état liquide à la surface de la planète, si bien sûr il y a de l'eau à la surface de la planète. Alors en fait, c'est une définition qui est très simpliste de le présenter comme ça, parce que si on l'appliquait à la Terre, au système solaire, en vrai, la température moyenne de la Terre, la température qu'on appelle l'équilibre de la Terre, par rapport à sa distance au Soleil, ça serait de moins 18 degrés. Donc en fait, la Terre, techniquement, n'est pas dans la zone habitable du Soleil. La raison pour laquelle la Terre est dans la zone habitable et a priori habitée, ça de ce côté-là, il n'y a pas trop de doute, c'est du fait qu'on ait un peu d'effet de serre. Et l'effet de serre permet de réchauffer l'atmosphère de la Terre de moins 18 degrés, à peu près 15 degrés. Et c'est tout le problème du climat, c'est que cet effet de serre qui nous est vital, le problème, c'est que si jamais cet effet de serre s'emballe de manière extrême et incontrôlée, on pourrait très bien se terminer comme planète, comme Vénus, avec une température invivable. Donc en fait, la définition de la zone habitable est plus complexe parce que ça va dépendre de l'effet de serre présent sur les planètes, et on pourrait avoir une planète qui serait en fait dans une région un petit peu trop froide, mais qui serait malgré tout réchauffée par son effet de serre. Donc en fait, cette définition est un peu simpliste, mais il faut garder en tête qu'en fait, elle est beaucoup plus compliquée que ça, parce que ça dépend de la composition de l'atmosphère de la planète qu'on ne connaît pas a priori. Et puis cette zone habitable, elle va dépendre aussi de la taille de l'étoile. La masse et la température de l'étoile vont dépendre. Si vous avez une petite étoile, plus petite que le Soleil, eh ben, cette étoile a moins de carburant à brûler, elle les brûle de manière moins efficace, et donc elle est plus froide. Et donc si vous êtes une planète autour d'une étoile de faible masse, plus petite que le Soleil, si vous voulez être dans la zone habitable, il va falloir être plus proche de l'étoile, ici. Si vous avez un graphique qui est en distance à l'étoile et en fonction de la masse de l'étoile. Donc quand vous êtes une petite étoile, ici la moitié de la masse du Soleil, pour avoir une planète dans la zone habitable, on va chercher des planètes qui sont beaucoup plus proches de l'étoile que dans le système solaire. Au contraire, si vous avez une étoile plus massive que le Soleil, vous allez avoir plus d'énergie à brûler, vous allez brûler en plus de manière plus efficace, et donc il va faire plus chaud, l'étoile va être plus chaude, et donc si vous voulez être dans la zone habitable, toujours avoir de l'eau à l'état liquide à la surface, il faut vous éloigner de l'étoile. Donc c'est pour ça qu'on a cette zone habitable ici qui n'est pas en fait tout le temps au même endroit, tout le temps autour de à peu près un an période orbitale. Mais ça va dépendre en fait de la propriété des étoiles hautes. Si vous êtes une étoile faible masse, il faudrait être proche de l'étoile. Si vous êtes une étoile massive, il faudrait être plus loin. Alors, donc, des 5000 exoplanètes qu'on connaît aujourd'hui, on peut prendre celles qui sont les meilleures candidates à ces fameuses planètes potentiellement habitables. Et on en est nombre 21 seulement. 21 planètes qui sont a priori rocheuses. L'atmosphère, on ne sait pas. Mais qui sont en tout cas dans une zone habitable dans laquelle l'eau pourrait être à l'état liquide à la surface. Donc sur ces 5000 planètes qu'on connaît actuellement, on descend en fait déjà à 21 planètes qui pourraient être habitables. Mais ça ne fait pas tout en fait, parce que quand on regarde, je vous ai dit juste à l'instant, hein, que quand on est autour d'une étoile de faible masse, qu'on appelle dans notre jargon scientifique des étoiles de type M, c'est une histoire très vieille, mais peu importe, on appelle ça des étoiles de type M. En fait, pour être dans la zone habitable, il faut être très proche de l'étoile, parce que l'étoile est très faible en masse, elle est très faible en température aussi. Une étoile de faible masse, comme Trappiste 1, l'étoile, fait à peu près 2 à 3000 degrés, alors que le Soleil il fait quasiment 6000 degrés. Donc on est vraiment bien plus froid, et donc pour pouvoir, malgré tout, avoir une température clémente, il faut se rapprocher de l'étoile. Et ici, je vous ai mis une illustration du système Trappiste 1, que j'imagine vous avez entendu parler également, qui n'est pas uniquement connu à cause du breuvage belge, mais du fait qu'il y ait 7 planètes dans le système
qui sont toutes les 7 en transit, des planètes de taille terrestre. Et en fait, si vous voyez ici le système solaire des planètes internes, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars à l'échelle, vous voyez en fait que le système Trappiste 1, s'il était dans le système solaire, on enlevait l'étoile, on mettait le système Trappiste 1, on les emboîtait, en fait, il serait ici, tout recroquevillé. Ici, vous avez cette partie-là qui est élargie d'un facteur 25 pour en fait montrer les 7 planètes du système Trappiste. Les 7 planètes sont vraiment très, très, très proches du Soleil. La planète externe, la planète H, en fait, est à 5% de la distance, de notre distance au Soleil. 5% seulement. Et si vous regardez en fait les périodes orbitales, hein, qui décrivent en quelque sorte la distance à l'étoile, la période orbitale, donc c'est-à-dire le temps que met une planète à faire le tour de son étoile, on est entre 1,5 jours. Jour, à mois, à semaine, à année, 1,5 jours. Donc depuis le début du week-end, okay, on est samedi midi, la planète B a fait quasiment la moitié de son orbite, la moitié de son étoile, de son orbite autour de l'étoile. Depuis le week-end dernier, la planète E, qui est la planète qui est au centre, quasiment l'une des planètes au centre de la zone habitable, a fait déjà un tour de son étoile. Les périodes orbitales sont très très courtes, et les planètes sont très très proches en fait de leur étoile. Alors, vous allez me dire, c'est pas forcément grave, parce que c'est justement l'intérêt, c'est que vu que l'étoile est peu massive, peu tempérée, il faut être proche de l'étoile pour pouvoir justement avoir une température clémente. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on est extrêmement proche de l'étoile aussi. Et il y a un effet que vous ne connaissez pas trop forcément dans la région, parce que dans la Méditerranée, l'effet de marée est quasiment nul. Mais pour ceux qui connaissent l'Atlantique ou d'autres océans connaissent mieux l'effet de marée. L'effet de marée, c'est un effet qui vient de déformation de la planète par rapport à une autre source massive. Alors sur Terre, l'effet de marée, la déformation de la Terre est relativement modérée, mais l'influence gravitationnelle que fait la Terre sur la Lune est très forte. D'accord, la Lune a une petite masse par rapport à la Terre, et donc la Terre a fait une déformation très importante de la Lune, de telle manière en fait que la Lune, son orbite et sa rotation en fait a été synchronisée. C'est-à-dire que la période de rotation de la Lune sur elle-même est exactement la même que sa période orbitale. Et c'est pour ça que sur la Lune, d'ailleurs, on a tout le temps la fameuse face visible de la Lune. On voit tout le temps la même face. Il y a une face visible et une face cachée. Parce que la Lune est synchronisée. Elle nous montre tout le temps la même face. Elle tourne de manière synchrone. Et bien, les planètes autour d'étoiles M, comme le planète Trappiste, a priori, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas également. Et donc, ces planètes, comme elles sont très 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 proches de leur étoile, elles se sont aussi déformées, et leur rotation, quelle que soit leur rotation quand elles se sont formées, a été ralenti de telle manière qu'elles ont dû se synchroniser avec leur orbite. Tout ça pour dire quoi? Que les planètes trappistes doivent normalement toutes être synchronisées de telle manière que les planètes montrent tout le temps la même face à l'étoile. Imaginez-vous comme si la Terre avait un hémisphère qui serait, il ferait tout le temps jour, et un hémisphère où il ferait tout le temps nuit. Oui, effectivement, ça leur tombe. Donc, un côté où il fait jour, un côté où il fait nuit. Ce qui ne sont pas vraiment des conditions idéales, si vous voulez habiter sur ces planètes, parce qu'on aurait un côté où on aurait tout le temps la lumière, et un côté où on n'en aurait jamais. Et en fait, quand on regarde où est-ce que se trouvent ces planètes, on se rend compte que toutes les planètes qui sont à l'intérieur de cette zone, ici, sont censées être synchronisées. D'ailleurs, Mercure est presque synchronisée, en pseudo-synchronisation, je n'en parle en détail, j'ai pas le temps. Et toutes les planètes du coup qui sont autour d'étoiles de faible masse, qui sont dans la zone habitable d'étoiles de faible masse, doivent normalement être synchronisées avec un côté jour et un côté nuit. Et c'est en fait, c'est encore pire que ça, c'est qu'en fait ces étoiles de faible masse sont faibles en masse mais très fortes en activité. Elles ont une activité stellaire très forte, et il y a ce qu'on appelle des éjections de masse coronale très fréquentes et très abondantes et très énergétiques. Ce qui fait que c'est un peu comme si vous mettiez vos planètes à un gros coup de chalumeau, parce que vous envoyez de la matière stellaire directement sur la planète. Et donc si vous n'avez pas un champ magnétique très fort ou une atmosphère vraiment très intense, du coup, ça serait vraiment dommageable pour toute forme de vie qui serait sur la planète. Du coup, si on prend le catalogue des 21 planètes qu'on connaît actuellement, et qu'on enlève toutes celles qui sont autour d'étoiles de faible masse, eh ben, on enlève toutes celles-là.
Il n'en reste que deux. Il existe dans les 21 planètes qu'on connaissait, il n'en existe que deux qui sont autour d'étoiles de masse plus importante, qu'on appelle des étoiles K, un peu moins massives que le Soleil, mais quand même malgré tout, et qui permettraient d'avoir des planètes qui ne soient pas synchronisées dans un environnement un peu plus calme. Et le problème, c'est que ces planètes se trouvent à 10 millions de milliards de kilomètres. Ça, c'est pour la plus proche, Kepler-62b. C'est très loin. Alors, on a parlé de plateau, juste pour vous faire un petit point rapidement. On est en train de développer avec l'Agence spatiale européenne une nouvelle mission spatiale qui s'appelle Plateau, dont l'objectif, sur lequel je travaille, dont l'objectif en fait va être de découvrir des planètes autour de dans la zone habitable d'étoiles solaires, où du coup on aurait un environnement plus calme et plus proche et plus sécurisé. Mais voilà, c'est cette mission qui devrait être tirée d'ici 4 ans, qui va du coup découvrir de nouvelles planètes autour d'étoiles solaires. Alors, si on voulait, malgré tout, on a des exoplanètes, malgré tout, si on voulait y aller, prenons l'exemple de Proxima CNB, qui est l'exoplanète la plus proche de nous, elle se trouve à 4,2 années-lumière. Si on voulait aller dans Proxima B, qui est donc l'exoplanète la plus proche de nous, avec la sonde Voyager 1, qui est actuellement l'objet qui va à la vitesse la plus vite, qui va à 61 000 km par heure. Si on voulait aller sur Proxima B à la vitesse de Voyager 1, qui est parti en 1977, qui est actuellement juste en train de sortir du système solaire, il nous faudrait 70 millions d'années. Il y a 70 millions d'années, je vous rappelle qu'il y avait encore des dinosaures sur Terre. Donc, c'est pas encore là demain qu'on va y aller. J'en arrive sur mes conclusions, j'ai quelques slides de conclusion, je vais plus parfait dans les temps. Bref, la question qu'on se posait au début de la conférence, c'était est-ce qu'il y a une planète B qui permettrait de vivre une fois que la planète Terre sera mise à la poubelle parce qu'on aura juste trop pollué la planète. Mais dans le système solaire, la réponse est clairement non. Mars n'est pas vraiment le meilleur candidat, Vénus encore moins. Et puis on découvre beaucoup d'exoplanètes qui nous permettent de comprendre beaucoup de la chose de physique. Mais finalement, le gros problème, c'est que pour l'instant, il est impossible d'y aller, elles sont beaucoup trop loin. Je veux finir presque par cette citation, je vous l'ai mis en français, pour que vous puissiez comprendre, de Michel Mayor, qui est le prix Nobel de physique 2019, qui était le découvreur de la première exoplanète à l'Observatoire de Provence en 1995, et qui disait clairement dans sa conférence de prix Nobel qu'il n'y a pas de plan B, nous devons prendre soin de la Terre. Et ma dernière slide, mon avant-dernière, c'est juste pour vous dire qu'on ne peut pas vivre sur une autre planète. La seule planète sur laquelle on peut vivre, clairement, et de manière assez confortablement, c'est la Terre. Ce qu'on pourrait espérer pouvoir faire éventuellement dans des conditions très clairement difficiles, c'est d'aller éventuellement sur Mars, mais on ne pourrait pas imaginer vivre sur Mars. On pourrait juste espérer de survivre sur Mars. Et je vous laisse avec cette image que je trouve absolument fantastique de l'atmosphère de la Terre, vue encore une fois par la Station spatiale internationale, qui montre à quel point cette atmosphère, finalement, est fine. Et c'est malgré tout cette atmosphère qui nous permet à tous de vivre. Je vous remercie. C'est terminé. Si vous voulez échanger avec Alexandre, rendez-vous dans la petite salle du haut, à la sortie, l'escalier qui monte. Quand vous voulez. Bon, on voit les rejets des avions, etc., etc. En fait, on voit toutes les pollutions humaines. Mais pour moi, il n'y en a qu'une, c'est la pollution de la Terre elle-même, c'est-à-dire ce chargement, c'est-à-dire ce que rejettent les volcans, le dioxyde de soufre, du CO2, le méthane rejeté par le permafrost qui, tôt ou tard, se libère, donc ce chargement climatique elle-même. On a d'ailleurs connu le chargement climatique avant que l'industrie existe, avant que l'homme existe. Là, on avait les glaces glaciaires qui descendaient jusqu'à Lyon. Ça, ils ont disparu, ça nous a permis de nous installer. Mais donc, il y a eu un changement, il y a eu des changements climatiques avant que l'homme existe. Tout à fait. Bon, ok. Parce que la chose qui me manque, c'est pour pouvoir comparer la somme de toutes les petites cheminées qu'on a vues dues à la pollution de l'homme, à la modification, au rejet des gaz qui modifient le climat. Donc la somme de tout ça comparée à la pollution de la Terre elle-même. Pourquoi ? Pour voir si la somme de toutes les pollutions humaines voit
D'accord, vous parlez par rapport à la pollution de la Terre. Et si la somme de toutes les pollutions humaines est supérieure à la pollution de la Terre, là oui, on peut modifier, on peut jouer sur le climat. Sinon, on ne peut pas. Alors, en fait, ce que je vous ai montré au début, hein, c'est la première slide avec les températures à Marseille. Ouais. Oui. Ça remonte sur 250 ans, qui est un petit peu la limite de l'air de relevé de mesure de température. Alors, c'est pas 250 ans qu'on mesure à Marseille, mais ça fait, la station de Marignane a commencé en 1911, je crois. Mais mine de rien, en France, on a commencé à mesurer à partir du moment où on a un thermomètre un peu plus précis qui est arrivé, à peu près vers 1850. Je vais vous montrer depuis 1750 parce que c'est là où on a commencé à mesurer sur Terre. Puis les données qui sont là, c'est à partir de modèles qui reviennent à mesurer, essayer d'interpoler, en fait, si vous voulez, les mesures sur toute la Terre. Ça monte sur 250 ans. Mais en fait, le problème, c'est d'avoir ces mesures sur plus long terme. Ouais. Parce que avant 1850, on ne mesurait pas la température. Nulle part. Mais malgré tout, on a des indications de savoir quelle est la température de la Terre sur le plus long terme, dans le passé, et on remonte sans problème sur 2000 ans, voire plus, grâce à l'étude des caves polaires, où en fait la glace qui est accumulée dans les continents arctiques, en fait c'est juste l'histoire sur plusieurs milliers d'années, et en analysant en fait la composition de la glace dans les carottes de glace qu'on fait, et on fait dans plusieurs endroits, on fait aussi au Kilimandjaro, on fait dans des glaciers, partout sur la planète, à chaque fois qu'il y a de la glace un peu profonde, en fait on arrive à remonter du coup à la température de la Terre, à plusieurs points, sur des milliers d'années. Et sur 2000 ans, on voit en fait que la température, la tendance globale sur ces 2000 ans était plutôt à une très légère refroidissement. D'accord ? Donc en fait, on voit sur 2000 ans, on voit que la température moyenne de la Terre était plutôt en train de se refroidir. Tout doucement, on parle de 0,1, 0,2 degrés sur 2000 ans. Ok ? Et ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un changement. Donc on parle de 0,2 degrés en 2000 ans versus 2 degrés en 50 ans. Ok. Et ça phase parfaitement avec le début de l'ère, de la révolution industrielle, dont on sait que ça a créé énormément de gaz à effet de serre, c'est quelque chose très bien, et à l'heure d'aujourd'hui, on sait que 100%, c'est pas 90%, c'est pas 70%, c'est 100% de cette augmentation est liée à l'influence humaine. En 2000 ans, c'est sûr que les volcans ont un impact. D'accord. Un volcan, déjà, le Mont Saint-Hélène, quand il a explosé, il a dégagé énormément de CO2 et plein d'autres choses qui ont effectivement contribué. Mais des volcans, type Mont Saint-Hélène, on en a eu pendant 2000 ans. D'accord. Et on voit que globalement, la température moyenne sur Terre sur 2000 ans, d'accord, était plutôt à la descente, sauf depuis 1950, qui est un petit peu le début. Où la courbe clairement commence à monter, je peux vous la sortir si vous voulez, je n'ai pas de nouveau temps, on ne va pas bien voir. On voit clairement une remontée. D'accord. Et cette remontée, elle est liée clairement. Alors on arrive parfaitement à modéliser cette remontée à partir de l'influence. Actuellement, il n'y a aucun doute, il n'y a plus aucun doute, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue modélisant du climat, que cette remontée des températures est liée en fait à 100% à l'activité. D'accord. C'est d'ailleurs la conclusion du sixième rapport du GIEC. C'est ça. De façon très. Actuellement, je vous conseille vraiment de lire. L'anthropocène. Je vous conseille vraiment de lire, je suis désolé, je ne l'ai pas pris avec moi. En fait, c'est la rapidité. C'est pas le livre. Le livre que je vais planter dans les slides, aux éditions CNRS, le livre est facile, c'est Tout comprendre sur le climat, ou presque, Tout comprendre pas sur le climat. Il a été écrit par. Des gens en communication et chaque partie est écrite par des auteurs du GIEC. Il se lit très simple. C'est très simplement, c'est un peu une sorte de BD moderne. Ça se lit en 2 heures. Et il est vraiment très bien. Je vous conseille tous de le lire parce qu'il explique les choses très simples, très claires, avec des petits schémas, des petits dessins. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un, Captain 5, qui était en stage chez lui, le Captain 5. Et ce livre est vraiment très, très, très clair. Et il explique d'où vient ce réchauffement. Et le grand point, en fait, qui nous permet de dire que oui, il y a 100% de réchauffement climatique qui est notre activité à nous, c'est effectivement ce facteur de temps. Parce qu'effectivement, il y a eu des moments où il y a eu des périodes de
glaciaires oui. Et ou des réchauffements intenses qui ont eu lieu en fait. Ça c'était non maîtrisable. C'était non maîtrisable, c'était lié effectivement à la géologie si vous voulez, ou à la fluctuation du climat. Sauf que ces fluctuations ont pris des millions d'années, okay. Pas 50 ans, des millions d'années. Okay. L'histoire de des calottes glaciaires qui viennent jusqu'à Lyon, oui, ça c'est vrai. Okay. Il y a même des moments donné où la Terre était, on appelle ça le Snowball Earth, était une boule de neige, de glace complète. Il y avait de la glace même jusqu'à l'équateur. Mais sauf que c'est pas parti du jour au lendemain et c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça a mis vraiment des millions d'années parce que c'est un phénomène climatique, d'atmosphère, qui se régule et des perturbations qui s'amplifient mais qui mettent beaucoup de temps à se propager et en même temps à se reconstruire derrière. Mais l'activité humaine, le CO2 qu'on a fait, et le CO2 il est principalement de la combustion d'énergie fossile. Donc tout ce pétrole qu'on utilise pour tout, il a mis des millions d'années à se stocker, d'accord ? Et en 50 ans, on brûle quasiment, plus que 50 ans, mais l'ordre d'idée là. En quelques dizaines d'années, on va brûler l'intégralité des énergies fossiles qui ont mis des millions d'années à se stocker sur terre, sur terrain, de manière très profonde. Et là, on prend tout, mettons l'atmosphère. Donc oui, là, il y a un risque important pour notre survie. C'est de dire qu'actuellement on est à peu près à plus 1,9 degrés sur Marseille, la température moyenne de la Terre on est à 1,1 en moyenne, savoir que les régions terrestres se réchauffent plus que les mers, mais se réchauffent beaucoup moins que l'Arctique. L'Arctique est à plus 7 degrés. Et il faut savoir aussi malgré tout que la Méditerranée, le pourtour Méditerranée, va subir un réchauffement climatique plus fortement. En moyenne. D'accord ? Donc, on est en Méditerranée, on est à un point critique où on va subir le réchauffement climatique de manière plus forte que dans le reste. On fait partie des hotspots, il y en a pas énormément, on fait partie de la Méditerranée, on fait partie d'un hotspot en termes de réchauffement climatique et d'impact. Alors, j'entends aussi beaucoup de fois des gens dire oui, mais la technologie veut nous sauver. C'est sûr, la technologie, en l'espace d'un siècle, il y a un siècle de ça, Einstein découvrait ces fameuses équations qui ont révolutionné beaucoup de choses en physique et de fait en technologie. Sauf qu'on a plus des milliers d'années devant nous. Ce qu'on parle actuellement, c'est que si jamais on continue notre train de vie comme on l'a fait jusqu'à présent, on parle d'un réchauffement qui pourrait aller jusqu'à 4 degrés, plus 4 degrés d'ici la fin de ce siècle. En 2005, on ne fait rien. On ne change pas notre mode de vie. Important, on va faire une carte plus 4 degrés. Moi, la manière dont je vois les choses, c'est un peu comme quand on a une fièvre. Quand on a 1 degré de fièvre, on a un peu mal à la tête, mais ça, on a 4 degrés de fièvre, on est à l'été. Et je peux vous garantir une chose, et ça, c'est pas juste mon sentiment, hein, c'est des scientifiques qui ont mobilisé ça de manière encore une fois apolitique. On n'est pas là pour faire de la politique, on fait de la science, on fait des faits, on mobilise. Si on est à plus 4 degrés, l'impact que ça va avoir sur nos sociétés sera substantiel, vraiment important, avec des populations qui vont devoir se déplacer parce qu'ils n'ont plus d'accès à l'eau, plus d'accès à la nourriture, ça va créer des conflits, c'est juste du bon sens, hein. Disons que ça a déjà bien commencé. Ça commence. Donc ça a bien commencé de là. Donc, si jamais on ne fait rien, on continue comme ça, en disant la technologie va nous sauver, en fait on n'a pas 200, 300, 400 ans devant nous. À la fin du siècle, moi je suis persuadé que nos sociétés ne seront plus capables de tenir comme elles sont actuellement, et plus personne, presque plus personne, fera de science. Le développement technologique qu'on fait, alors aujourd'hui, SpaceX, on est un exemple, mais tous les développements technologiques qu'on fait, on est capable de le faire parce qu'on est une société relativement stable, d'accord ? Où les gens sont pas en train de se taper dessus tout le temps. Un petit peu. On a des sociétés qui sont relativement stables, on a un environnement relativement stable, et c'est ce qui permet en fait d'avoir des gens comme moi qui passent du temps à faire de la science, à étudier ce qui se passe à l'extérieur, voire à créer de la technologie, plutôt qu'à essayer d'aller se taper sur le voisin ou essayer d'aller planter des patates pour manger. Et ce genre de choses a une durée de vie très courte. Parce que si jamais on continue à faire n'importe quoi, à considérer que notre problème, et bien à la fin du siècle, nos enfants, peut-être même voir nous,
nous ne pourrons peut-être plus faire ce genre de choses. Donc la technologie, on va dire, la technologie nous sauvera, parce qu'on va développer la technologie qui va permettre de faire ça. Mais en fait, peut-être que les sociétés ne nous permettront plus de développer cette technologie qui est supposée nous sauver. On a déjà connu ça par le passé. Les Égyptiens, donc, les Romains, pareil. Toutes les civilisations sont... Finalement, c'est une civilisation. Il y a des moments où les civilisations sont au top. Tout à fait. Puis après, bon, une civilisation qui se tiendrait, comment dire, systématiquement au top, c'est plutôt... Non, les civilisations sont là pour... Ça a certainement passé notre apogée. Oui, voilà. Où on est en train de le passer, et ce qui est à venir C'est peut-être normal, c'est peut-être aussi que de la vie, simplement. Oui, mais là, c'est pas. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que bon, alors, je cite Thomas Pesquet, bon, justement par rapport au climat, bon, il dit que, bon, lui, ça ne fait pas pour la Terre, ça sortira toujours, ça fait pour l'humanité. La Terre, bon, ok, bon, l'humanité, bon, ok, le changement climatique, lui-même peut disparaître. La Terre, bon, ça pour ça. Sauf, bon, comment dire, de 5 milliards d'années avec l'expansion du soleil, ou là, c'est inexorable. De toute façon, la durée de vie est limitée. On est arrivé à 5 milliards d'années. Non, quand 5 milliards d'années, c'est pas le problème. Là, le problème que je parle, c'est pas 100 milliards d'années, c'est la limite. Centaines d'années. Est-ce que la société est capable de... C'est de se maintenir. Alors, en 2100, même si on a plus 4 degrés en termes de climat, l'homme, l'espèce humaine survivra. Mais par contre, il faut considérer quelque chose que notre mode de vie actuellement, c'est fini. Là, la question n'est pas est-ce qu'on est capable de vivre jusqu'à 4 degrés. La question, ce que je faisais à la fin de ma question, c'est est-ce qu'on est capable de survivre. C'est comme d'aller sur Mars, c'est notre esprit, effectivement, il espère aller sur Mars, il pense, il essaye de promouvoir le développement d'une base lunaire, d'une base martienne. Mais même dans les meilleures de meilleures prédictions, même de SpaceX, c'est que au milieu de tout, et c'est loin de facile à réaliser, on n'a déjà pas à faire fuser Starship pour partir pour le au mieux, on parle d'un million de personnes qui pourraient vivre sur Mars. Un million. Sur actuellement 8 milliards sur Terre. Donc ce 1 million qui est déjà optimiste, alors déjà il ne pourrait pas vivre non, sur Mars comme on vit nous sur place. Là, la vue est absolument fantastique. Ce genre de choses sur Mars, d'accord ? C'est dans des conteneurs pressurisés, pour sortir en. Pour tous ceux qui ont mal vécu le confinement, Mars, on va y aller quoi. C'est super cool. C'est clair. C'est un super confinement. Dans des terriers. Comment ? Dans des terriers. Ouais, c'est ça. Même dans des fins, c'est des conteneurs. Des trop. Donc, la question, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre. Et pour ça, il va falloir faire attention et réduire notre mode de vie pour pouvoir continuer à vivre. Sinon, c'est plus la vivre qui va pouvoir faire, c'est décider de survivre. Et la survivre, c'est complètement notre histoire. L'avantage, malgré tout, pour être un peu plus optimiste, c'est que les solutions, on les connaît déjà. Les solutions, elles sont là. On a la technologie, on a l'argent, on a les connaissances. La seule difficulté, c'est qu'il faut les appliquer et les mettre en place. C'est au niveau de la planète qu'il faut que ça se fasse. Ah oui, parce que si on fait juste un effort au niveau national, ça va. Si on ne s'entend pas au niveau de la planète pour faire la même chose, c'est pas chemin. Hein. Il faut que ça soit fait à l'échelle pleine. C'est toute la difficulté. Un petit morceau comme ça par-ci, puis un petit morceau comme ça par-là. L'avantage, dans tous les risques que l'humanité et l'espèce humaine peut. Tous les risques de l'espèce humaine, imaginez-vous, il y a 20 ans, ou 30 ans, l'arrivée d'une comète ou d'un astéroïde qui tuerait la totalité. Il y a 40 ans, on disait on n'a pas la technologie, si ce genre de choses arrive, on n'a pas la technologie pour s'en affranchir. C'est un risque, ok, on connaît, on maîtrise, on connaît le risque. Mais si jamais ça nous arrivait, on ne pourrait rien faire. Hein, c'est une histoire de Tom Cup, si vous l'avez vu sur Netflix, le film. La comète arrive, on ne peut rien faire. Comment ? C'est excellent. On ne peut rien faire. On n'a pas la technologie pour pouvoir s'en affranchir.
Là, on a un risque, on connaît, on a la technologie, on a les financements pour pouvoir s'en affranchir. Il ne reste plus que l'entente. Il ne reste plus que la volonté politique. La volonté de tous les pays. La volonté, je pense, qu'elle est dans l'esprit de chacun. Mais... Alors là, on commence à rentrer dans la politique. Alors là, je veux. Attention, là, on commence à rentrer dans la politique, je préfère éviter la question. Non. Ma question, c'est que les solutions sont apolitiques. Oui. Ah oui. Alors oui, ça c'est indéniable. Maintenant, comment est-ce qu'elles sont mises en place? Ça c'est de la politique, je ne préfère pas aborder les choses. Mais les solutions, on les connaît, on a la maîtrise de la technologie, on a la maîtrise des connaissances, et on a l'argent disponible pour le faire. Ce qui nous manque, c'est la volonté. Et on les connaît depuis plus de 25 ans. C'est ça le cœur. Et là, c'est tout à chacun qui doit contribuer à toutes les échelles qui existent. Donc, c'est le côté un peu rassurant, malgré tout. Si demain on découvre une comète qui va nous tomber dessus, on ne pourra pas dire on ne pourra rien faire. Il faudra attendre qu'elle tombe et on sera tous morts. Là, on a la capacité de pouvoir changer les choses. Et ça change radicalement les choses. On ne va pas juste dire on attend de mourir. On peut agir, on peut prendre le contrôle et faire quelque chose pour qu'on puisse aller dans le bon sens et éviter la catastrophe. Il faut une autorité mondiale pour ça. Ouais. Une autorité mondiale, elle existe sur le papier, mais elle n'a pas autorité réellement sur chacun. Mais si chacun fait son geste, amène une pierre à l'édifice, oui. Au fur et à mesure, l'édifice il va se construire. Oui. Ça ne peut pas être négatif. Chacun de son côté il fait quelque chose, ça va se construire. Ça va forcer le voisin à faire quelque chose aussi. Moi, si je peux me permettre, j'ai eu l'occasion à un ami cher à moi, parce qu'on va parler du politique, je comprends qu'il ne devait pas en parler, moi je m'en vais. Parce que j'ai eu l'occasion justement de m'engager politiquement, pas chez les Verts, on y est de suite, mais dans la contribution, cette idée, tout ce qu'on vient d'expliquer jusqu'à maintenant, si on attend, nous, quelque chose de la part des politiques, c'est même pas la peine. Je vous dis de suite, et particulièrement, tout ce qui est politique, j'allais dire, un peu spécialisé, c'est même pas la peine, c'est mort d'avance. Alors, effectivement, comme vous le disiez, c'est très bien, mais le problème, c'est que, justement, on a une politique, nos gouvernements en place, parce que la France, c'est une chose. Oui, mais la France, c'est qu'un pays. La France, c'est une chose. Mais vous avez des pays qui comptent 1,5 milliard d'habitants, où les gens qui sont en place dans ces pays-là n'en ont strictement rien à faire. C'est ce que je disais, la fuite en avant, actuellement. C'est la fuite en avant. Donc c'est ça qui est un point inquiétant. De manière générale, les deux approches, en fait, quand on veut faire avancer quelque chose, les deux approches. On appelle l'approche bottom-up, on part de la base et on remonte, et la porte du top-down, qui part de haut et qui descend. C'est deux modèles quand on veut faire un projet. Soit ça vient des élites, en fait, des dirigeants. Mais ça, je ne parle pas d'un point de vue uniquement politique, c'est aussi un point de vue, ça s'applique dans l'entreprise, ça s'applique dans toutes les sociétés. Soit ça vient d'en haut et ça percole vers le bas. Soit ça vient d'en bas et ça revient. Oui, puis il y a des pays qui sont en période de développement que nous, on a fait il y a bien longtemps. On a développé, alors on a aussi utilisé tous les moyens pour. Et après, il y a des pays qui font que maintenant. Alors eux, comment leur dire à eux qu'ils sont en train de se développer, qu'il faut justement stopper tout ça? Parce que nous, on l'a fait il y a longtemps. C'est ça aussi. Alors oui, mais à nous justement de leur dire exactement comment il faudrait faire pour qu'ils se développent tout en restant facile dans de leur donner des leçons quand on l'a fait. Bah, justement, si je pense qu'on a la capacité à leur donner justement les leçons, non, peut-être pas la leçon. Ouais, déjà qu'on passe pour des arrogants nous les Français, si on commence à leur dire comment il va falloir qu'ils fassent chez eux, c'est vrai que ça va mal passer. Mais justement, comme on a fait les conneries, il faut qu'on sache leur dire, avoir l'honnêteté de dire on a fait des conneries, ne faites pas les mêmes, et on va vous aider, et on va les aider. Le problème est. J'ai une question sur les étoiles. C'est par rapport aux perspectives.
des fois, la découverte d'une autre planète, on va dire un master, un autour d'une quelque chose qui ressemble un peu à la Terre en mieux, parce qu'un dinosaure gros, c'est intéressant. Alors, en termes de développement instrumental, pour justement découvrir cet objet, il y a la mission plateau, dont j'ai parlé, plateau, voilà, 2026, dans lequel je suis fortement impliqué, en fait, hein, qui va essayer de découvrir des planètes, justement, par la méthode de transit habitable autour des côtes solaires, donc vraiment des analogues à la Terre. On a le James Webb qui tourne depuis qui commence à tourner, qui va certainement durer, espérons, plus de 10 ans. Voilà, plus de 10 ans. Oui, il y a du carburant pour 20 ans, mais c'est pas le problème généralement de la mission spatiale, c'est pas le carburant. C'est les roues d'inertie qui sont le problème de la mission spatiale. Et ça, faut pas faire grand-chose pour les remplacer. Donc on a le James Webb qui devrait durer une bonne dizaine d'années. Maintenant, le James Webb ne pourra pas mesurer des signes de vie dans notre planète, ou ne serait-ce que l'atmosphère d'une planète dans un habitat d'une étoile solaire, le James Webb ne pourra pas le faire. Il n'est pas assez performant pour ça. Alors maintenant que le James Webb est lancé, on parle déjà de futures missions au-delà post-James Webb. On va discuter là à l'avenir parce que c'est des projets qui mettent 20 à 30 ans pour se développer. Donc là, il y a deux projets phares qui sont en projet. Un qui est le plus avancé au niveau NASA, parce que le projet est déjà en quelque sorte acté, est validé et devrait recevoir les financements pour, qui s'appelle Luvoir. L'idée de construire un télescope de classe 10 mètres dans l'espace pour pouvoir observer des planètes dans l'habitat de l'espace. Donc là, c'est vraiment l'objectif, c'est pas juste de les mesurer par transit, c'est vraiment de les imager. Dans le prochain infrarouge, pour pouvoir commencer à mesurer l'atmosphère de ces objets-là. Et ça, c'est une perspective à 2035-2040. D'accord. Baseline. Hein, donc en réel, bon, il y a de l'inflation. L'inflation, on voit déjà arriver, comme quoi ça va déjà reporter. Le budget estimé pour l'instant est entre 15 et 20 milliards. Le double de l'USD. Oui, à peu près. Côté Europe, on n'a pas la technologie, on n'a pas les moyens surtout, et on n'a pas les lanceurs encore moins pour lancer un tel projet. Malgré tout, le cas scientifique a clairement été identifié dans la dernière étude prospective de la spatiale européenne, l'ESA, et on a mis à sortir un projet qui est presque validé, on va dire, il y a encore quelques vérifications technologiques qu'on va être capable de faire un système. Le cas sont similaires, de faire de la caractérisation de la position de dans les habitats, de voir relativement proche. Et là, on n'est pas sur un télescope de 10 mètres, on est sur une petite flottille de 3-4 télescopes de à peu près 1,50 m, et qui pourrait faire de l'interférométrie pour pouvoir mesurer la position de l'habitat. Et là, on parle de l'objectif 2050. Et un télescope sur la Lune, il y a des projets ou pas? Alors, il y a des gens, notamment des Français, hein, qui proposent ça depuis déjà quelques années, de faire un télescope de 100 mètres sur la Lune. L'atmosphère, déjà, c'est mieux. On va déjà essayer d'y retourner. Comment? On va déjà essayer d'y retourner. Il faudrait qu'elle ait pas retenu ça. Ouais, la SLS, elle n'est pas partie. Hein, pour elle n'est pas partie. Peut-être que la semaine prochaine, ça va finir par décoller, mais... 27 septembre ou 2 octobre. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, pour l'instant... Ouais, c'est chaud. Ouais. Voilà. Et la charge utile, c'est pas prêt pour faire un télescope de 100 mètres. Et puis même si on était capable d'amener un télescope de 100 mètres sur la Lune, supposons on a plein de budget, on a plein d'argent, on a plein de budget pour le faire, soit, c'est pas simple. Parce qu'il y a un énorme problème sur la Lune, c'est la régolithe lunaire. Oui. Le régolithe, c'est une somme de poussière qui est plus fine que le sable, que j'ai cru pour tout le monde. C'est très corrosif, ça s'infiltre partout. En fait, sur la Lune, on sait qu'on n'est pas capable de faire des sorties lunaires plus que 72 heures. Parce qu'après, c'est quelque chose qui pénètre même dans les combinaisons, c'est tellement fin, c'est comme des barres plus fines en fait. Ça pénètre dans les combinaisons, et c'est un problème respiratoire, c'est abrasif. Les poumons. Ah, pour les, c'est abrasif pour les poumons. Oui, donc, et sur Mars, il y a aussi une régolithe. C'est pareil. Sur Mars, c'est pareil. Donc quand on dit on va aller vivre sur Mars, non. Clairement non. Les patates ne pousseront pas.
Non, même si on fait des là-dessus. Non, mais l'orégolite sur une planète, c'est un problème. Et l'orégolite, il est créé par le fait qu'il n'y a pas d'atmosphère sur une planète, ou très peu d'atmosphère. C'est le bombardement des particules solaires qui viennent de l'espace, qui en fait vient casser la roche de telle manière que c'est une sorte d'effet de marée, si vous voulez, qui vient casser le caillou. Ah oui. Sauf que là, c'est constant et continu, et ça vient noyer tout. Ouais. Ça étoufferait un homme, ça? Ça étoufferait. Ah, c'est abrasif. Donc, si on respire. Sans compter le film Sort sur Mars, qui est très bien d'un point de vue, sont beaucoup de points de vue scientifiques et relativement corrects. C'est pas le pire. Mais les tempêtes de sable sur Mars. C'est terrible. Donc quand Elon Musk nous dit on va créer des dômes de verre, c'est bien gentil, mais il n'arrive déjà pas à faire décoller sa fusée. Il est fatigué. Il nous emmerde avec ses. Bon, ça c'est plein de choses. Mais le problème de ça, c'est que ce genre de discours de quelqu'un qui a autant d'impact médiatique. C'est que les gens pensent que bah, c'est bon, Elon Musk nous sauvera tous. Alors en fait. Oui, je crois. Non, mais c'est malgré tout, il y a quand même une sacrée partie de la population. Et des gens comme Elon Musk en fait, viennent alimenter ce genre de discours en disant que la technologie nous sauvera, Elon Musk. Vous en faites pas, vivez, vous faites pas d'efforts, vous s'en allez ailleurs. En 2021, Elon Musk a gagné à titre personnel en 15 jours. Le budget complet de l'Agence spatiale européenne. Ben oui, mais la fric fou, c'est tout bien. Donc le fric, voilà, il y est. Il est un petit peu. Mais malgré tout, construire une base lunaire, c'est pas simple. Alors, on peut faire des jolies vues d'artistes comme j'ai montré là, hein, avec des fusées qui décollent, des gens qui regardent à travers les bulles. Ouais. En pratique, ça va être compliqué. Soyons un peu réalistes. Sans être défaitiste, pessimiste, mais soyons un peu réalistes, c'est quand même pour tout. Et juste pour info, quelles sont les données, je ne sais même pas si elles sont encore utilisées ou pas, quelles sont les données récoltées du cryogésar en salle et de... Elle n'est pas encore passée. C'est pas encore... Non, ça c'est l'objectif des missions qui sont enfin préparées. Parce que tout à l'heure on parlait des planètes océans. Bon, là, c'est pas des planètes, c'est des satellites. Là, c'est pas l'histoire d'aller vivre, là, c'est des il y a une question d'aller vivre, mais c'est intéressant de voir s'il n'y aurait pas éventuellement des marqueurs là aussi. Ah, là, c'est que l'objectif, c'est de passer. En fait, il y a des missions qui sont prévues, hein, qui vont aller passer dans les geysers de l'une de Jupiter. Je crois que ça avait été fait sur Ensade. Non. Ça n'a pas été fait. Enfin, je le sais, je crois pas. Non. C'est justement l'objectif des missions qui vont. D'accord. Je ne vais pas annoncer le nom parce que je n'ai pas envie de dire bêtises. Mais il y a des missions qui sont prévues pour tirer le tableau. D'ailleurs, ce sera la mission européenne qui va un peu faire ça. C'est la dernière mission qui sera tirée sur l'Ariane 5. La dernière Ariane 5 sera pour lancer cette mission. Ah, d'accord. Si je veux. C'est le projet de mission. Là, il y a l'insertion sur les isoplanètes, l'insertion de Juno sur des Juice sur Jupiter, je crois que c'est deux pour 2033. 2033, je crois l'insertion. Ouais. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Parce que là, on est typiquement sur un petit satellite, je ne sais pas comment, c'est tout petit, ouais, avec un cœur de zone inclus de silicium, puisqu'on sait qu'il y a un. Mais presque hydraté, là, on est sur cette planète océan. Voilà, on a un petit satellite d'océan. Pratiquement la moitié de l'eau, en fait. Et puis bon, on a une épaisseur de gaz, enfin, l'épaisseur glaciaire à certains endroits qui est relativement faible. Je crois que c'est du genre de 3 ou 4 km. C'est pas ça. Sur les glaciers. C'est pour ça que ça monte. C'est là où ça percole, mais ça reste intéressant. Il y a plein de choses intéressantes. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Il y a 200 livres dans ce système. Oui, il y en a un paquet, mais enfin il y en a quelques-unes qui sont particulièrement passionnantes. Pas on n'en a pas parlé hier avec Tixi, mais par rapport à Mars. J'ai vu quelque part qu'il y avait un projet éventuellement pour s'installer sur le fond de la sur la Alors, ça, il y a une mission qui va aller voir
je vous rappelle plus, il faut bosser dans l'une des deux lunes de Mars. C'est la grosse. Pour comprendre son origine, parce que les satellites de Mars ne sont, sont pas formés comme les satellites de la Terre. C'est une capture. Donc en fait, c'est des astéroïdes qui ont été capturés par. Il y a plein de raisons. L'avantage, c'est que c'est pas cher. Ouais. Le problème d'aller sur Mars, c'est pas le problème d'aller sur Mars, c'est facile d'aller sur Mars. Alors, encore que l'Europe, on n'a jamais réussi à poser quoi que ce soit sur Mars. Mais les Américains font très bien, les Russes sont forts, et nous, on n'a jamais rien posé sur Mars. Mais pour repartir, c'est compliqué. Et le problème, c'est la masse. Repartir de Mars, c'est pas simple. Et alors repartir de Phobos, parce que pour décoller, il faut beaucoup d'énergie. Et que cette énergie, repartir de la Lune, ça va, parce que la gravité sur la Lune est très faible, donc on peut repartir relativement facilement. C'est quand on voit l'Eagle, avec quoi il est reparti, c'est ça, enchanté. Parce que... C'est une attraction alors plus sur Mars, sur les objets bah en fait, tout ça est géré par ce qu'on appelle la vitesse de libération, qui est la vitesse qui est nécessaire pour pouvoir partir de l'attraction terrestre. Sur Terre, pour pouvoir s'échapper de l'attraction terrestre, il faut partir à 11 000 km/h. D'accord. Donc si tu sautes à 11 000 km/h, tu t'envoles. Oui. Sur la Lune, vu que l'objet est beaucoup moins massif, en fait, la vitesse de libération, mais il est beaucoup plus faible. Donc il y a besoin de beaucoup moins d'énergie pour s'extraire de l'attraction visuelle. Ça va aussi, Donc c'est un facteur 10. 6 km seconde. Donc il y a un facteur 10 entre la Terre et la Lune. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a réussi à aller sur la Lune et en revenir. Oui. Parce qu'en fait, on a pu amener l'énergie qui était nécessaire pour revenir. Sachant que l'énergie, on est limité, hein, une fusée, une Saturn V, c'était 120 tonnes au décollage. Donc, on est... En charge utile, oui, c'était... Oui, c'était ça. C'est la charge utile. C'est la charge utile, oui, c'est ça. La SLS était à 110 à peu près. Non, c'est ça, 120 tonnes. C'est un petit peu plus sur la Saturn 5. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le poids maximum que la fusée peut décoller, peut partir. D'accord. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met dedans. Plus tu as besoin de prendre d'énergie avec toi, clairement, de carburant pour pouvoir revenir, moi, tu peux venir avec toi. Oui, pour respecter le poids de tout. Ah, ouais, parce que si tu mets, si t'as une fusée qui décolle à 140 tonnes et les 150, t'as pas Alors, c'est justement le projet actuellement avec la SLS et puis la Starship de SpaceX, c'est de partir avec la SLS qui est, pas pour moi, mais d'amener plus d'équipement. On décolle, on envoie l'équipement dans l'espace, en orbite terrestre. Tout seul, ça va arriver. Ouais, mais ça, c'est ça. Et puis, on enverrait une deuxième fusée qui en quelque sorte, qui serait en gros réservoir d'essence, qui viendrait en fait recharger l'énergie pour pouvoir revenir. Ah oui, c'est compliqué. Donc en termes de logistique, c'est quand même pas simple. Non, parce que le temps que ça met déjà pour y aller. Mais déjà, il y a des emplois sur Terre qui sont relativement déjà complexes à aller. On opère avec nos collègues italiens une base pas loin du pôle sud. Ça s'appelle le Dome 7, Concordia. On a une base scientifique qui est en exploitation depuis bientôt 15 ans. Quand j'étais en master, j'avais une collègue qui était en master avec moi qui est partie à l'hiver, qui est revenue. Et en fait, ne serait-ce que pour aller au Dome 7, donc ils font un voyage, ça dure 3 semaines, ils vont en Tanzanie, après ils prennent un bateau pour aller à la base militaire de Mandurville. En fait, une île au large du continent. De là, il prend la DC-10, qui est le seul avion, le vieux DC-10 de l'Air France, avec Hélice, qui était le seul capable de supporter les températures extrêmement froides. DC-3. Et ils n'arrivent pas à aller à la station en un saut. En fait, ils font un vol, ils atterrissent en plein milieu de rien. Là, il y a une station-service. Pour recharger l'avion et après ils refont un vol. Et sachant qu'ils envoient un avion pour après aller recharger la station. Et au retour, pareil. Donc, ne serait-ce que déjà, c'est des endroits extrêmement reculés sur Terre, la logistique pour y aller, déjà.
déjà à ces endroits-là, on aimerait pouvoir construire un télescope de 4 mètres là-bas, parce qu'on observe bah, quand il fait, quand c'est l'hiver, il fait nuit pendant 9 mois. Ouais. Donc, il y a des conditions parfaites. On aimerait pouvoir un télescope de 1 mètre, 4 mètres, on pourrait faire un télescope de 4 mètres. En fait, on peut pas, même là-bas, on ne peut pas le faire. À cause de ça. La température descend à moins 4, le record, je crois qu'ils ont fait, c'était moins 87 degrés l'hiver. Tout gèle. Et ça, c'est des conditions, finalement, clémentes par rapport à Mars. Du coup, Mars, ça va jusqu'à 150. Qui n'est pas du tout à vol d'avion. Okay. Bah non, on met combien de temps déjà pour aller sur Mars? 6 mois, je crois. Ouais, on peut le faire en 3 mois, mais on n'a pas beaucoup de charbon qui est entre 3 et 6 mois. 6 mois, c'est pas mal. On peut aller plus vite, mais c'est beaucoup plus vite. Ouais, pour moi, c'est pas trop mal de freiner. On peut faire de la question de camarade. J'ai une question sur un autre sujet. Ouais. C'était pendant la présentation que vous avez faite dans la salle. Vous montriez un moment les longueurs d'onde qui permettaient d'identifier les atmosphères des planètes. Une question que je me posais, c'était est-ce que une longueur d'onde est nécessairement une signature unique d'un composé chimique? Non. Ou est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des composés chimiques qu'on ne connaît pas forcément sur Terre ou par les matières qu'on a pu prélever dans l'espace ou qui sont venues par des météorites ou je ne sais pas, donc des composés inconnus, qu'on prendrait pour autre chose, par exemple du dioxyde de carbone ou autre chose, alors, parce qu'il y aurait même une longueur d'onde. La question est double, mais les différents composés de l'atmosphère qu'on connaît, en tout cas dans l'atmosphère de la Terre, ont des spectres, des signatures qui peuvent être différentes. Et les choses se superposent. Donc là, j'ai montré le spectre de James Webb. Le spectre est relativement court. En fait, on a un spectre qui est beaucoup plus large en termes de gamme de fréquence ou de gamme de longueur d'onde. Et c'est par la compréhension de différentes. On a vu une signature. En fait, on va être capable de détecter plusieurs fois la même signature. Et en fait, les différents composés auront des signatures spectrales différentes sur un large domaine. Juste sur une raie, on ne peut pas faire la distinction. Alors là, on ne va plus la faire. Et typiquement, quand on observe l'eau, on l'observe avec le télescope spatial Hubble. On observait l'eau dans les écopales, on a déjà écouté faire l'eau dans les écopales depuis tout le temps. Le truc, c'est que l'eau a une signature à peu près à 1,4 micron. Mais le méthane a aussi une signature à 1,4 micron. Le truc, c'est qu'en fait, c'est que si on regarde à 1,1 micron, l'un a une signature aussi à 1,1 et pas l'autre. Donc en fait, c'est en regardant sur un spectre relativement large qu'on va pouvoir faire la distinction entre les différents éléments, les composés chimiques. Alors maintenant, pour la question de savoir est-ce qu'il y aurait d'autres composés chimiques qu'on ne connaîtrait pas qui existeraient, il faut savoir que le tableau périodique des éléments qu'on connaît, MDF, il est complet. Il n'y a pas de trou. On connaît, il est rangé par numéro atomique, c'est parce que il y a des protons et des neutrons dans les atomes qui font, voilà. Et c'est, en gros, c'est la somme des deux. Et ça va de 1 à 80, je ne sais plus combien, peut-être même plus, je ne sais pas. Aussi, ça dépasse ça. Ouais. Ouais. Ça n'existe pas quand on l'écrit. Ouais, peu importe. Mais en gros, de 1 à, on va dire 80, même si c'est un peu plus. 8. Il n'y a pas de trou. Ok. On connaît tous les éléments impairs. Et il n'y a aucun élément sur Terre qui serait à mi-chemin entre deux cases, par exemple, entre deux numéros. Donc en fait, on les classe par numéro atomique, on appelle. Hydrogène, c'est 1, hélium, c'est 2, etc. Ok, carbone c'est 14, c'est 12, pardon. Oxygène c'est. Le fer c'est 16. 16. Ouais, c'est ça. Bref, et donc c'est continu. Ok, chaque élément a son numéro atomique et dans le tableau des éléments qu'on connaît sur Terre, il n'y a pas un saut. C'est pas comme s'il y avait 1, 2, 3, puis après on aurait 5, 6, 7 et qu'il nous manquerait le 4. On connaît tous les éléments jusqu'à 84. Plus compris dans les isotopes. Le truc c'est que. L'abondance de ces éléments est une loi qui est exponentielle décroissante. On a beaucoup d'hydrogène, pas mal d'hélium, et puis ensuite ça s'écroule assez vite. Donc ça descend très très vite. Alors, il y a des particularités, c'est-à-dire que le bore, le fluor, tout ça, il y en a très très peu, c'est pour d'autres. Mais du coup, dans l'univers et la force de ressources dans les planètes, et aussi dans les étoiles d'ailleurs, la composition de ces objets-là, elle est forcément liée à ces éléments, ces atomes qu'on connaît. Et on les connaît tous jusqu'à au moins 80, voire plus. Après, il peut y avoir des trucs extrêmement lourds, mais qui sont extrêmement lourds, enfin, extrêmement rares.
Donc, forcément, la composition des atmosphères de planètes, elle est forcément basée sur une combinaison de ce qu'on connaît déjà. Et, a priori, la chimie la plus basique fait que les éléments les plus simples s'assemblent ensemble de manière assez... Il n'y a pas une myriade de... Enfin, si, il y a une myriade de combinaisons possibles. Mais on est obligé d'avoir une chimie relativement simple parce que la chimie qui est complexe avec plein d'emboîtements de différents atomes est fragile. D'accord ? Ce sont des molécules très grosses, elles se cassent dès qu'il y a un rayon un peu énergisant, un peu énergétique qui arrive. Donc on est obligé d'avoir une chimie simple. Et la chimie simple, c'est deux atomes. Okay. Et ça, du coup, on connaît la liste des atomes. On met deux codes qui se collent et qui s'assemblent. Et ouais, pardon, pas c'est vrai. Mais cette liste-là, elle est définie. Et c'est ce qu'on retrouve déjà dans l'atmosphère de la Terre, l'atmosphère de Mars, l'atmosphère de Vénus et l'atmosphère des planètes géantes. Ce sont ces éléments un peu simples, les plus simples. Les molécules les plus simples, on va dire les atomes les plus simples qui existent et qu'on cherche dans ces atmosphères-là. On cherche des choses simples parce qu'en fait, c'est uniquement ces choses simples qui peuvent survivre. Des choses trop complexes, forcément, finissent par se casser. Ok. Par contre, on a un marqueur qui est très intéressant en termes de chimie, comme ça, qu'on retrouve de temps en temps sur Terre qui s'appelle l'iridium. Et qui n'est pas. Qui n'a rien à y foutre en fait sur Terre. Enfin, d'après ça. Je ne crois pas, c'est pas qu'il n'a rien à y foutre, c'est qu'en général, on en trouve très très peu. Et c'est souvent un marqueur d'un impact météoritique ancien, éventuellement, tout comme ça. On en a trouvé sur la côte, du côté d'Andaï, tout ça. Et comme par hasard, ils ont fait des études, des strates, et ils se sont aperçus que ça correspondait à la période de moins 65 millions d'années, donc l'impact météoritique, le dernier impact à l'extinction massive. Et on a retrouvé beaucoup de traces d'iridium. Pourquoi ? Parce que l'iridium, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les comètes, les astéroïdes, des trucs dans ce style. Mais surtout, il faut de l'énergie pour le créer. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. L'énergie, quand on a un impact, il y en a tellement. C'est, oui, voilà. Et qu'est-ce qui permet, parce qu'en fait, c'est un peu la base de ma question, j'avais cette idée en tête qu'il y avait des matériaux, je me souviens, qui s'appelaient l'iridium, mais qu'on trouvait que sur des météorites ou des traces de météorites, ce genre de choses. Et je me demande, qu'est-ce, par rapport à votre réponse, qu'est-ce qui permet de penser que le tableau de Mendeleïev est complet, du coup, et que, enfin, dans la mesure où il a été établi sur le système terrestre, de ce qu'on connaît, hein, qu'est-ce qui permet de penser qu'il n'y a rien qui pourrait être ajouté? Alors, quand je dis il est complet à l'intérieur. D'accord. Entre le premier élément, l'hydrogène, et le dernier qu'on connaît, le plus lourd, on connaît tous les éléments à l'intérieur. Après, il pourrait très bien y avoir des éléments nouveaux, plus lourds, qui pourraient exister. Vous pourriez pas quelque chose entre les deux, je veux dire, je ne connais pas suffisamment bien du coup. Parce que ça dépend, les atomes sont créés avec des protons et des neutrons qui se collent. Ah, il y a toutes les combinaisons qui sont faites. Elles sont toutes là. Ah oui, d'accord. Les particules élémentaires, c'est des protons et des neutrons. Il y a des électrons qui tournent autour, mais pour les atomes, c'est des neutrons et des protons. L'hydrogène, c'est un proton. L'hélium, c'est un proton et un neutron. D'accord. D'accord. Et comme ça, on mélange un proton, on rajoute un neutron, on a. Voilà. Et à chaque fois, on rajoute un proton, un neutron, un proton. Et à chaque fois qu'on rajoute, une particule élémentaire, on crée un nouvel élément. D'accord. D'accord, on ne peut pas faire un proton et demi ou un neutron et demi, ça n'existe pas. C'est pas possible. Donc, entre une particule élémentaire, deux particules élémentaires, trois particules, jusqu'à 80, voire 100, combien, à la fin, on a tout. C'est une série continue. D'accord. Entière, on a une particule, deux particules, et on connaît tous les éléments à l'intérieur du tableau périodique. Alors, pas maintenant, la suite n'était pas complète, on pourrait avoir des éléments plus lourds. Et le problème, c'est que plus les noyaux sont lourds, plus ils ont de protons, plus ils ont de neutrons, plus ils sont instables. Et donc, en fait, c'est à la fois. Donc, quand on va à la fin du tableau périodique, là, le truc est plus gros, plus massif en termes de nombre de particules. On pourrait très bien en créer des nouvelles, hein. Là, il y en a qui essayent de créer des nouveaux, des plus gros. C'est encore plus rare, parce que plus on est sur des trucs lourds, plus c'est rare.
parce que c'est compliqué à créer, c'est pour moi de les créer, mais c'est pire que ça. C'est qu'en plus, ces atomes ne sont pas stables, parce qu'ils ont trop de masse, trop d'énergie, et donc ils vont finir par se casser. Et donc, plus ils sont gros, plus leur temps de vie, en fait, est court. Comme les étoiles. Ouais, c'est ça. Donc, il y a quand même quelque chose qui est fréquent, c'est que sur ce tableau, je n'ai pas d'exemple en mémoire, mais deux éléments qui se suivent peuvent avoir donc une composition légèrement différente, mais ils peuvent avoir un aspect, un comportement qui se joue à la nuit. Et un équipateur très lourd, je sais pas, il peut y avoir par exemple du plomb, et puis juste après, il y aura quelque chose là. C'est extraordinaire, c'est quoi. Ouais, alors, c'est le plus placé, alors. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que les alchimistes, pendant des années, parce qu'on savait pas mal. On essayait de faire de l'or avec du plomb, parce que c'était le truc qui était le plus proche au niveau de la masse atomique. C'est toujours le même prix. C'est toujours le même prix qu'elle est en terre. Ouais, tout à fait. C'est extraordinaire. C'est clair. Eh oui, ça fait rêver.